Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. C'est donc parti. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Malaga qui ne perd plus à domicile depuis ses 5 derniers matchs. Une très belle série. Dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Et ce ballon devant le but. L'ouverture lumineuse. Il allonge le jeu. Il essaye de faire la différence côté gauche. Et dégagement du gardien. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est bien donné, sur le côté. La longue passe, il peut en profiter. Malaga, qui est l'une des meilleures défenses du championnat, du moins sur ses 5 dernières journées. Il progresse encore. Il l'a vu. Et c'est intercepté. Nouveau ballon dans la surface. C'était bien vu, dommage. Bien, la profondeur. Faut tirer là. Dommage, ça ne passe pas loin. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Faut que ça va partir vite. Il préfère jouer avec son gardien. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Le gardien dégage loin. Non, il est signalé hors jeu. Le long dégagement du gardien. Voilà qui met un terme à cette première période. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. La seconde période a donc déjà débuté. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Allez, ça doit faire but! Premier corner dans cette rencontre. Un long ballon vers l'avant. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il se fait pardonner. C'est joué dans l'espace. Il décide d'allonger le jeu.
Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Oh, Balotelli. Il est en bonne position pour centrer. Il tente le centre. C'est joué long. S'il le trouve. C'est bien intercepté. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. On dirait qu'ils essaient de le déstabiliser. Il peut frapper. C'est enfin défilé. Et beau ce but. Surtout, il fait très plaisir parce qu'il arrive dans un moment très critique dans ce match. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir. Balotelli, qui en est déjà à 7 buts en championnat cette saison. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Et ça fait donc 1-0. Et tout le crédit le revient. Mais attention à ne pas gâcher ce but d'avance. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Excellente intervention du défenseur. La faute. Oh, bonne lecture, intercepté. C'est joué derrière. Morales. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Ça va vite. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Le bon ballon. Le gardien loin devant. Bonne interception, il y avait danger. Long ballon dans le sens du jeu. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Alors, que retenir de cette rencontre? Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? C'est terminé, on a pris beaucoup de plaisir cet après-midi et merci pour votre analyse d'Aren. À bientôt. C'est toujours un plaisir partagé.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Tente sa chance, c'est dedans. Oh, il n'a pas traîné, quelle efficacité. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée, il surgit, il va au bout. Magnifique. Sturridge qui s'est offert son cinquième but de la saison. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Quelle passe. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, Balotelli. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Malaga qui essaye de construire. Ça peut faire mal. Oui, oui, il était hors jeu. Le long dégagement du gardien. Ça passera sur le côté. Un long ballon vers l'avant. Oui, il peut frapper là. Et cette frappe qui s'envole. Et la bonne intervention. Il a de l'espace là. Malaga qui reste sur une série de 5 matchs sans défaite à l'extérieur. Balotelli, il tente de la jouer dans l'espace. Sturridge. Ouf, un peu d'air. Il se fait pardonner. Adrian Gonzalez qui récupère le ballon, il était temps. Cherche la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça manque de soutien. Attention. Allez, jusqu'au bout. Repoussé par le poteau. Il manquait pas grand-chose, là. C'est le poteau qui repousse, il a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Dans la profondeur. Dans la profondeur, bien vu. Le bon dribble. Ça joue long vers l'avant. C'est joué dans la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. C'était une bonne intervention. Fuenlabrada qui peut avancer. Allez. C'est joué long. Attention. Oh, attention. Il y a danger. S'il le trouve. C'est la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pour vous. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. C'est vrai, mais... Balotelli, c'est au fond des filets. Il croque maintenant une avance de 2 buts. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large.
passe en retrait vers son défenseur. Il allonge vers l'avant. Il y a peut-être un coup à jouer dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il peut choisir de centrer. Il rejoue derrière lui. Oh, Sturridge. Bien, la profondeur. Donc ça va partir vite. Le ballon dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Ils s'en sortent. Malaga, qui est l'une des meilleures défenses du championnat ces derniers temps. Ça fait désormais 5 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ça peut partir en contre. Oh, Sturridge. La passe dans la profondeur. Il est bien placé. Oh, quel geste! La passe est... Oh, l'inspiration! Et voilà, but! Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout, là. Tout est magnifique dans ce but. Sturridge, qui a inscrit son 6e but de la saison au championnat. Un peu de sang dans les deux équipes. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Le bon dribble. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Il décide d'allonger le jeu. Quel timing dans l'interception. L'ouverture lumineuse. C'est joué long. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ah, et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Dans l'axe. Oh, l'occasion! Oh, ça aurait pu être le 4e but. Ce sera le premier corner du match. Manuel Fernandez. Ça joue long. Il sent le coup de tête. Adrián González. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Aucune contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Alors, que retenir de cette rencontre? Ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui. C'était vraiment une belle soirée d'Arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci à vous, mon cher Grégoire.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tendue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Ça ne vous aura pas échappé. Oh, l'aspiration ! Aucun rare d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Ouais, il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire : applaudir. Bravo. On ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Pulido. Malaga qui enchaîne les résultats ces derniers temps avec pas moins de 5 victoires consécutives. Il est passé. Il a trébuché sur cette intervention. C'est une faute, l'arbitre intervient. L'espace là. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Malaga qui peut féliciter sa défense. Elle n'a pas cédé au cours des 5 dernières journées. Oh, Balotelli. Et il cède sous la pression. Voilà une bonne occasion de contre. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est bien ce qu'il fait là. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Il cherche son coéquipier. Et récupération au sens livré. C'est joué long, attention. Il a pris tout le monde de vitesse. Il peut frapper là. Dans la surface, il peut encore frapper. Et le cadre se dérobe largement. Ce ballon qui lui est revenu un petit peu par hasard, mais malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. David Timor, c'est joué long. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement, c'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça, ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Avec ce petit coup d'écart, rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent l'avantage. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. La seconde période a donc déjà débuté. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Dans la profondeur. Maintenant, le centre. Allez, c'est dangereux. Aucun danger pour le gardien. Ça joue long vers l'avant.
Malaga qui peut avancer. Allez. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. S'il va oser frapper directement. Il l'a tenté en force. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Il mène toujours 1-0 en ce milieu de deuxième période. Le gardien dégage, loin. Balotelli. La passe dans la profondeur. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Malaga est vraiment... L'arbitre siffle une faute. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? Exactement, oui. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le long dégagement du gardien. Et il perd l'équilibre. Ce contre peut très bien aller au bout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le bon ballon. Matavs. Pulido, il joue dans la profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Le chrono tourne, s'il ne met pas le ballon devant, on va en rester là. Il écarte sur l'aile. Il met le pied, ballon récupéré. Et il va être sanctionné. Ça manque un peu de précision. Allez, plus que quelques instants à tenir. La longue ouverture sur l'aile. Il décide d'allonger le jeu. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé, on se retrouve très vite. À bientôt. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.